Bonjour, bonjour à tous les bengalisés. J'espère que tout le monde se porte bien. Une fois de plus, je ne suis plus l'homme à présenter sur cette page. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, partagez le direct parce que je vais parler. Je vais parler très fort, comme d'habitude. On va parler de l'arrivée de Macron au Cameroun. L'arrivée de Macron. Qu'est-ce que ça apporte aux Camerounais? Qu'est-ce que ça apporte au Cameroun? L'arrivée de Macron, qu'est-ce qu'il vient faire au Cameroun? Ça va changer quoi sur notre quotidien? C'est de ça qu'il s'agit. Donc je vous demande de partager le direct parce que ma page est restreinte. Depuis près de 16 jours, ma page est restreinte. Par rapport à ma prise de position vis-à-vis de nos frères qu'on a tiré dessus du côté du Maroc. Et j'apprends aujourd'hui qu'il y a encore un frère qui a été brutalisé du côté de l'Algérie. Et on se tait et on regarde. C'est face à nos yeux. Donc je demande à mes frères et sœurs de partager, partage le direct. Partage le direct, mon frère, ce que je veux passer comme message. Parce que tu demandes pourquoi, qu'est-ce que Macron vient faire au Cameroun? Ça apporte quoi aux Camerounais? C'est un non-événement, un non-lieu, ça n'apporte rien. Il vient regarder si les contrats, hein, vont continuer comme d'habitude. Les contrats que le général de Gaulle a fait signer à nos ancêtres. Après Aïdjo a signé. Après ça, M. Biya a signé. C'est pourquoi Macron vient voir au Cameroun. Il vient voir au Cameroun. Il vient au Cameroun parce que M. Biya est déjà vieux, il est partant. Maintenant, il vient regarder, mais qui il faut mettre là-bas? C'est Ngongo? C'est qui? C'est l'autre, c'est Frambia? Qui on va mettre là-bas? C'est de ça qu'il s'agit. Mes jeunes frères, la venue de ce monsieur n'apporte rien. Au contraire, il vient empirer notre situation. Donc c'est un gars que normalement, si on localise, on doit même viser le caillou sur lui. Parce qu'il ne nous apporte rien. Vous savez, dans la vie, quand ton fils est dérouté à cause de quelqu'un, si tu as moyen, il faut raquer celui-là si tu le vois quelque part. Donc Macron, si Macron, j'ai l'opportunité de le rencontrer, je vais le gifler. Parce qu'il n'apporte rien. Il n'est rien pour le Cameroun. Bah, c'est lui. Ce sont ses parents qui ont induit mes ancêtres en erreur. Et ce sont ses parents-là qui ont tué les zéros, nos zéros à nous. Les Oumyobé, les Ernest Wandi, les Félix Moumier et d'autres que j'en passe. Les Martin Posamba. Donc ce sont les ancêtres de Macron. Macron vient veiller la continuité, la suite après Biya. Parce que monsieur Biya est fatigué. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère. Donc il ne faut même pas t'épuiser. On doit réfléchir comment bloquer et faire à ce que les intentions là, ça s'arrête. Parce que nous, notre génération, on n'en a rien à foutre avec le passé. Tu es esclave. Tu n'es pas esclave, mais tu es esclave de ton frère. Tu es esclave parce que on a fabriqué ton frère à t'esclavagiser. On a fabriqué ton frère, on a monté ton frère, on a éduqué ton frère à t'esclavagiser. C'est comme regardez bien les sous-préfets, comment ils s'habillent. C'est comme ça que les colons s'habillaient. Regardez les préfets, comment ils s'habillent. Regardez les chefs de quartier. Regardez les gouverneurs, comment ils s'habillent. Donc ils s'habillent comme les colons. Donc ils sont là pour nous esclavagiser. Donc ils sont la suite de Macron. Donc les Macron, les parents de Macron ont mis un système sur pied, ok. Et quand on éduque Macron, on éduque non, il y a un peuple là, c'est grâce à eux que nous vivons. C'est à cause du sous-sol africain que eux ils vivent là-bas. Donc c'est une affaire de suivi. Ils ne viennent pas ici pour ouvrir vos yeux, mon frère. C'est pourquoi il faut arrêter la tolérance. Il faut arrêter de dire que Macron, on s'en fout. Le voilà, il est en train de venir, on casse nos pauvres frères qui n'avaient pas de problème. Parce que Macron arrive au Cameroun, on doit détruire nos frères. On casse les maisons de nos frères. Vous réjouissez. On n'en a rien à foutre. Il vient pour ses intérêts. C'est qu'il y a ce qu'il vient au Cameroun là. On perd plus. Nato, c'est l'argent qui va s'égarer. C'est le choco. C'est M. Biya qui doit tout négocier pour être bien vu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut faire attention. C'est pourquoi mon frère, mon petit frère, ma petite soeur, il faut avoir les relations qui te rapportent. Quand une relation ne te rapporte pas, arrête de te orner avec. Parfois, nous avons les relations pour orner notre vie, alors qu'en réalité, on ne profite rien
comme toi, si tu as les mauvais amis, aujourd'hui, à compter d'aujourd'hui, il faut les oublier. Ma chérie, il ne sert à rien de sortir avec un gars parce qu'il brille, parce qu'il a une star, alors que tu dois affamer. Ça ne sert à rien. Les Macron, oui, c'est une star. Oui, le président de la France, comme on dit. Mais oui, mais il vient pour les intérêts de son peuple. Mais oui, monsieur Biavon prend les Macron pour orner leur mal gouvernance, leur mauvais système, leur royaume qu'ils ont mis sur pied. C'est de ça qu'il s'agit. Toi, ça ne va rien t'apporter. Toi qui es en Algérie, au Maroc, ça ne peut rien. C'est à nous de changer notre vie ici, là. C'est à nous de dire au père là, que tu as mal travaillé. Tu dois rendre compte. C'est à nous de se préparer pour celui que Macron vient pour mettre au pouvoir. Que le tout-ci, et pas les affaires là que vous avez fait à l'époque là. Le tout-ci, on n'en a rien à foutre des anciens contrats là. Donc, notre père, nos parents souffraient, ils étaient malades, ils avaient l'Alzheimer, hein, ils avaient les retards de mémoire. Donc, vos contrats caduques que vous avez fait à l'époque là, on n'en a rien à foutre. Il est temps de refaire le contrat. C'est pourquoi nous devons soutenir les gens comme les Assimi Goïta. Tous ces gars qui ont pris le pouvoir de l'autre côté, pour dire que l'Afrique renaît à nouveau. Nous, on doit s'inspirer. On ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtons d'avoir peur, Africains. Africains, arrêtons d'avoir peur. Il est temps. C'est notre pays. On n'a pas deux pays. Je suis Camerounais. Il n'en a rien à foutre. Pour certains qui vont dire, petit frère, vends tes agiles de cannes de semaine. Hein. Vraiment, tu parles de... Ah bon, je ne parle pas de politique. Qui va parler de politique? J'ai 5 enfants ici dans la maison. C'est toi qui les nourris. C'est toi qui les nourris. C'est toi qui payes mes ouvriers. Allô, man. On dit qu'il n'y a pas le carburant. Hein, je dois me poser la question, mais la Sonara, c'est à quoi? La Sonara qui allume là, ça sert à quoi? On me dit que je manque le carburant. Ça sert à quoi? On doit se poser des questions. Donc, il est temps. On doit être prêt. C'est-à-dire que quelqu'un dit que non, après, pour bien, sera bien. Mais faites attention. Il y a les héritiers qui ne durent pas. Même dans les chefferies. On en a vu plusieurs. Les héritiers de 2 jours. Les héritiers de 3 jours. Les héritiers de 4 jours. Il y a les héritiers qui ne durent pas. J'ai toujours dit, le Cameroun, ce sera la Côte d'Ivoire à répétition. Ah oui, le Cameroun sera la Côte d'Ivoire à répétition. Donc l'histoire de la Côte d'Ivoire va se répéter au Cameroun. Après Félix Moumier, on appelle qui là? Le président, on appelle qui là? Le président Ofwet Boigné, autant pour moi. Après Ofwet Boigné en Côte d'Ivoire, ça a toujours été le clan de Ofwet Boigné. Ton Bédier, c'était toujours eux qui étaient à côté. Jusqu'à ce que bon, Barbeau sorte. La France ne s'attendait jamais à Barbeau. Mais Barbeau avait déjà préparé le peuple. C'est le pourquoi ce que Maurice Tom est en train de faire là, il a battu un grand travail. Il a battu un grand travail. Si nous aujourd'hui on s'assoit, on parle là, c'est parce que Maurice Tom a commencé. Et dans la vie, comme a dit un ancien président américain là, oui, Abraham Lincoln, dans la vie il y a ceux qui vont toujours essayer et les autres vont bien faire. Et dans la vie il y a tous ceux qui vont faire et les autres vont essayer. Donc lui il a essayé là. Mon ami, si tu veux, tu attends. Hein. Si tu veux, tu attends. Eux là, ils n'ont pas de problème. Si tu veux, comme tu as traversé la Méditerranée là, les enfants que tu as laissés au Cameroun là, tu t'amuses. Certains de tes enfants vont te retrouver là-bas en Algérie. J'ai un grand frère, son fils l'a retrouvé en Algérie. J'ai une grande soeur, son fils l'a retrouvé en Libye. J'ai une grande soeur, son fils l'a retrouvée en Libye. Elle était obligée de payer la route avec l'enfant du gars que le gars a fait là-bas, son fils. L'enfant et la femme sont morts dans le Zodiac, dans le Lampa Lampa. Parce qu'à mon temps, on appelait ça Lampa Lampa. C'était pas Boza. Voilà, les Boza, là, c'est hier. C'est les affaires de 2010. À mon époque, on appelait... L'aventure, la traversée de la Méditerranée, on appelle ça le Lampa Lampa, qui vient de Lampedusa, à mon époque, dans les années 2000. Donc ça veut dire que quoi? Si tu refuses de te battre maintenant, même tes enfants vont vivre ce que tu es en train de vivre. Et on doit dire que nous là, on ne reconnaît pas, nous ne sommes pas les esclaves, moi on ne m'a pas vendu. Hein. J'ai connu mon père, j'ai connu mon grand-père. Donc ça dit qu'il n'y a même pas quelque chose à jouer là. Si vous voulez vous rester là, vous dites que non, on me tue, on m'a tué, je bagarre aussi pour mes enfants de demain. Je bagarre pour l'avenir de demain. Je me bats pour que les choses soient bien. Sinon, tu vas venir être coupable, victime. Et j'ai acheté un terrain quelque part l'autre jour avec quelqu'un. On m'a vu.
On a dit que vraiment, désolé, vraiment, parce que, pourquoi on n'a pas continué? Parce qu'on sait que celui-là, il sait se défendre. Mais oui, c'est parce qu'il sait se défendre. Devant un notaire, vous qui dites que non, acheter le terrain chez un notaire, c'est un pays que tout est faux. Tout est faux. Et ça dépend de qui est devant. On t'applique le faux quand on sait que tu es quelqu'un que tu ne peux pas te défendre, que tu n'as pas de voix. On s'applique sur toi. Donc je vous dis ça bien. Il faut faire attention. Voilà. Parfois on abuse ceux qu'on sait qu'ils ne savent pas se défendre. Donc nous devons apprendre à nous défendre maintenant. Parce que nous ne sommes pas la génération de nos parents. Hein. On n'en a rien à foutre. Hein. On pas, tu ne peux pas faire le désert, la Méditerranée pour venir avoir peur dans ton pays. Ce que moi dis aux gens là. Que tu sois colonel, général là, ta vie ne m'intéresse pas. Parce que je ne suis pas sûr que tu as vécu ce que tu as vécu. Tu n'as que fait une petite formation militaire de 6 mois, 1 an. Oui. Et puis aujourd'hui tu es militaire. Et tu as l'arme, tu apprends à tirer. J'ai vécu ça pendant les années. Dans les refoulements, hein. Je pars. Après je remonte, je pars. Si toi là, si on te dit de faire ça, toi le militaire là, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Bah, je connais même beaucoup là qui ont démissionné. Je connais certains même qui ont fui l'armée. Arrivé quelque part, ils ont dit que non, ils ne peuvent pas continuer. Ils sont rentrés, je prends les postes. On les demande que vous étiez où? Non, j'étais malade, patron. Mais oui, parce que ça l'a dépassé. Donc même toi-même là, tu dis que tu as peur. Toi-même, tu es un militaire. Tu n'es même plus qu'un militaire. Bah, ta souffrance a duré. Et tu ne peux pas souffrir pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu as attendu les papiers 10 ans même pour certains avant d'avoir une vie stable. Tu as squatté chez les gens, manqué de respect, plongeur, hein, croquement chez les autres. Tu as fait le Malaga, le Shogo. Tu rentres au Cameroun, tu manques le respect et tu te tais parce que tu as peur de mourir. Mais il faut que les gens meurent pour que le monde avance. L'homme doit mourir pour libérer le monde. Si les autres sont avancés, c'est parce que les ancêtres de là-bas se sont battus. Tu aimes la France, non? La France est jolie, non? C'est belle, non? C'est parce que les ancêtres français se sont battus pour libérer la France. Sinon, ils les devaient récupérer. Ils les devaient récupérer. Donc fais attention. Fais attention. Pas pour rien qu'il y a les villes qui ont les noms allemands en France. En Allemagne, il y a les noms français. Fais attention. C'est parce que c'est pendant la guerre que tout ça s'est passé. Vous voyez, c'est une ville. Les-bas Strasbourg, les-bas si cela. Tu pars de l'autre côté en Belgique, tu vois que ils parlent certaines langues. Tout ça, c'est le mélange de la guerre. C'est le mélange de la guerre. Donc, si tu ne te bats pas, mon frère, ma soeur, même tes enfants ne sauront rien. Ne sauront rien, je dis bien ça. Parce qu'on ne peut que émerger ce soir. La vraie richesse, c'est ce soir. Et pour que la vraie richesse, là, ce soit chez soi, tu dois être en sécurité. Tu dois être sûr que le terrain que j'achète là, personne ne va venir me retirer là-bas. Et même si on veut me retirer, c'est dans les règles de l'art. Vous passez le temps à écouter les artistes, on n'en a rien à foutre. Moi, je n'écoute plus certains artistes. Les artistes qui font la comédie là, je ne vous écoute plus. Vous ne me servez à rien, vous apportez rien dans la vie des Camerounais. Voilà, vous êtes les stars. Les stars, c'est ceux-là, le folklore. Vous êtes de passage. Mes artistes actuellement là, c'est les gens comme les Longuet, les Vassero. Les autres. Putain de merde, regardez comment je vais oublier le nom de la légende. Les Richard Bona, autant pour moi. Voilà mes artistes. Les gens qui dénoncent. Quelqu'un qui n'utilise pas son art pour la cause du bien-être des uns et des autres, c'est une star. Tu n'es pas un artiste. Arrêtez-moi ça. Que tel, c'est un grand artiste. Il a... Aujourd'hui, il est temps que chacun donne sa voix pour son pays. Un artiste qui ne donne pas sa voix pour son pays, qui sont là, para-pari-papo, je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien à foutre. Mais quand j'aurai l'argent, c'est quoi ça? Vous voyez même certains anglophones, au lieu de parler pour la cause des anglophones, et tu vois les gens ont 1 million de vues, 2 millions de vues, ils ne donnent pas leur voix pour les anglophones. Mais vous croyez que c'est quoi? Vous apprendre d'abord à te défendre pour que le voisin vienne te pousser. La vie c'est comme ça. Apprendre d'abord à te défendre. Les gens ont l'audience, ils sont là, ils jouent à la comédie. Chacun a peur. Ça sert à quoi si tu vis pour 100 ans? Tu n'as pas marqué le monde. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi si tu vis, tu as 100 ans sur terre, que tu n'as pas marqué le monde? Les partis de Lumumba ont vécu pour quelques temps. Mais on parle de jusqu'aujourd'hui. On parle de jusqu'aujourd'hui. La vie, l'homme doit mourir. La mort, c'est une bonne chose. Je suis au Cameroun, hein. Sois dehors. Il parle, viens au Cameroun, parler. Je suis au Cameroun. Ça fait longtemps, je suis là. Je ne pars plus nulle part, je suis ici là.
Ma part va me prendre qu'ici. Et si c'est bien, c'est là que ce sera bien pour moi. C'est clair. Allez chez les gens, tu es dans l'ascenseur, on met la main comme ça sur ton visage, on cache le nez parce que tu es un Africain, quelqu'un qui sent. Hein? Dans mon pays, j'accepte que le tribalisme passe parce que les gens ont institutionnalisé le tribalisme. Hein? Le tribalisme est devenu une affaire d'État parce que les gens veulent rester au pouvoir. On les demande le bilan. Il n'y a pas d'œil, il n'y a pas de lumière. Hein? Un pays qui a tout, avec tous les cours d'eau partout. Hein? Avec tout ce qu'on a, le sous-sol qui est riche, mais on continue à souffrir. Et on dit qu'on se tait, mais on ne se tait pas. On ne peut pas se taire. Donc Macron ne nous sert à rien. Macron, là, c'est le représentant du CFA. C'est à cause de lui que nous souffrons. On n'a pas de monnaie à cause de lui. Nous sommes des esclaves parce qu'on continue à parler les langues. Voilà les pays comme le Mali, ils sont les langues, le Bambara. Donc si on veut entrer dans l'histoire, nous ne sommes rien. Mais oui, nous ne sommes rien. Il y a les grands peuples, il y a les petits peuples. Les grands peuples sont ceux qui savent se défendre. Et notre génération, on doit apprendre à nous défendre. Voilà. On apprend, et connaissez que nous avons les faux leaders, parce qu'ils ont les armes braquées sur eux. Ils aiment la belle vie. On leur donne tous les avantages. C'est à toi de tordre le cou à ton dirigeant, que voilà ce que tu dois faire dorénavant. Je prends un exemple. On connaît les couples qui sont séparés depuis longtemps. Les enfants grandissent, ils les réconcilient. On dit au père, papa, tu ne rentres pas voir maman. Voilà ce qu'on va te faire. Tu n'as plus d'honneur. Sache que je ne viens plus te chercher. On part sur la main. On dit que ça ne sert à rien de vivre ce que vous entrez de vie là. Vous devez vous réconcilier. Rentrez à la maison. Et vous voyez la paix. Donc c'est notre génération. Quand les parents, quand nos ancêtres allaient signer les contrats, quand ton père et ta mère se sont séparés, vous étiez mineurs, vous n'avez pas de pouvoir. Vous avez seulement observé. Vous avez seulement rendu compte que le père et la mère s'est séparés. Mais aujourd'hui, tu as grandi. Tu es capable de tordre le cou aux deux parents. Avec quoi? Tu es capable de les remettre sur les rails et de les remettre sur la raison. Donc, il est temps pour nous que nous marquons notre existence, notre génération. C'est clair, arrêtez de voir les comédiens sur la toile là. Vous les acclamez. Je n'acclame pas certains gens. Même les comédiens. Tu joues les films et tu ne passes pas certains messages dans tes films. Tu n'es rien. Alors, l'ordre du jour, c'est le Cameroun actuellement là. Tous ceux qui font certaines choses, ils sont là pour nous distraire. Vous voyez, ils vivent bien. Le peuple souffre. Ils vivent bien. Ils font les comédies. Ils ne mettent pas à l'ordre du jour la réalité de notre pays. Notre pays a ses réalités. Nous sommes en train de travailler un moment très crucial, très dangereux pour blaguer, pour aller suivre même certaines séries. Il y a des séries qui m'intéressent plus. Bah, ça ne me sert à rien. Il y a un acteur là qui vient devant moi toujours, il achète le jus de canne. Un Banga Diaspora, ah, comment tu vas? Tu ne me connais pas. Il dit, tu connais que toi, c'est qui? Ce qui est à l'ordre du jour, c'est la politique. À l'ordre du jour, c'est la politique. L'ordre du jour, c'est celui-là qui prend en charge les autres. Je serai avec toi. Mais si tu fais tes histoires là, pour embrouiller les gens, l'amour que... Fichez-moi le camp avec ça. Il n'en a rien à foutre. Il n'en a rien à foutre. Voilà. Nous sommes là que nous devons marquer notre présence, notre existence. Si tu es un artiste, si tu as la voix, tu dois jouer pour le peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous avez dit, ma page est restreinte. Il faut partager le live. Ma page est restreinte, il manque 14 jours. Il manque 14 jours pour qu'on libère ma page. C'est pourquoi je n'ai pas assez d'audience. Partagez le direct. Partagez, vous avez vu, vous avez partagé le direct de l'autre jour là. Il y avait beaucoup de personnes. On vous présente les faux leaders. Quand vous voyez les Macron venir comme ça, c'est pour venir confirmer les faux leaders. Les faux leaders. Comme l'autre leader qui a dit que non, il est sorti troisième parce que son père et sa mère sont encore vivants. Donc, comme il est sûr que le Tutsi là, hein, en 2025, il sera président parce que son père est mort. Parce que sa raison, c'est que les premiers et deuxièmes, c'est-à-dire Maurice Kamto et Paul Biya, ils sont là parce qu'ils ont là perdu l'un de leurs parents. L'exemple qu'il prend, c'est-à-dire qu'il entend parler de Maurice Kamto qui a 68 ans et Paul Biya qui a 89 ans. C'est-à-dire, il parle de ses parents et son grand-père. Donc, et c'est clair, les gens acclament. Les gens comme, voilà les leaders. Voilà les leaders de demain. Et vous voulez qu'on change. Voilà les gens qu'on prépare. Vous dites que non, après Paul Biya, ce sera Paul Biya. Non, après Paul Biya là, ce sera Paul Biya pour quelques temps. Il y a les royaumes qui n'ont jamais duré. Il y a les successeurs qui ont fait deux jours. Il y a les successeurs que... Les histoires là, vous allez vous en sortir. Votre époque, ce n'est pas l'époque d'aujourd'hui. Hein. Il faut qu'on dise ça à ces dirigeants là. Votre époque là, la diaspora ne s'intéressait pas. Hein. Maintenant, vous voyagez comme les souris.
où vous cachez. Il manque seulement comment on va prendre un ministre au Cameroun, on va mettre dans une valise. Parce qu'à nos jours d'aujourd'hui, quand tu sors du Cameroun, on est au courant de toi. Il y a les hôtesses. Et il y a, dans tel aéroport, il y a telle personne qui travaille là-bas, qui te disent que voilà ton ministre, le voilà, il est en train de manger telle chose. Mais oui, on est au courant de tout. Dans le tout, si vous êtes encerclé, vous ne pouvez pas vous en sortir. Mais oui, parce que nous, on est en train de nous chasser là-dehors. Donc, mon frère, tu es obligé de. Même, il faut même financer. Il faut financer les efforts du combat. Mais oui. Parce que je vois certaines personnes perdre le temps. Banga diaspora. Oh, pardon, aidez-moi pour telle chose, vous perdez le temps. Vous devez financer. Parce que nous devons être debout. Le changement est là. C'est déjà cuit. C'est un. Il y a panique, non? Il y a panique. À l'époque, là, il savait qu'il faisait massacrer les gens ici, pas se reposer en Suisse. Et qui tente encore. Le ministre, maintenant, qui veut voyager, il se cache. Il voyage comme une souris. Il n'y a plus de voyage officiel. C'est dans l'embrouillement. Ça veut dire que nous, on n'a plus le pouvoir. Notre génération, on a marqué notre présence. C'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai pas besoin. Notre génération, on a marqué notre présence. Le système de l'époque, c'est fini. Tu es colonel, là, fais tes histoires, là. C'est que si on t'attend quelque part. Donc, ça veut dire que chacun se range. Chacun aussi a peur de ses enfants. Chacun a son coin faible. Chacun a son coin faible. C'est comme ça. Donc, nous, il ne faut même pas avoir peur. Nous, il ne faut pas se leurrer. Que non, notre génération n'a rien fait. Non. C'est nos parents, là. C'est mon père qui a fait ce que Paul Biya a dit au pouvoir. C'est mon oncle. Je ne suis pas de sa génération. Je me suis battu seul. Donc, tu n'as rien à me dire. Tu n'as rien à venir m'expliquer de la vie. Voilà. Moi aussi, j'ai un foyer. J'ai une femme, j'ai les enfants, je les élève, je les nourris. Je sais ce qui est bien pour les enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont tué partout. Regardez un pays comme ça là. Regardez un pays comme ça que quelqu'un est ministre, il est milliardaire. Tous les détournements, c'est leur nom qui sonne dedans. Hein, les ministres comme ça là. Hein, voilà. Les sadis. Quelqu'un est ministre, son fils est préfet. Mais toi, ta place est où? Ta place est où? Dans certains pays. Quand on dit que dans certaines dictatures, quand on te dit que le fils d'un ministre, on te dit que c'est un grand chef d'entreprise. Il a 4000 ouvriers. Il a 10 000 personnels qui travaillent pour lui. Parce qu'il il laisse pas de l'argent à son père. Mais nous sommes en danger si on s'amuse. Ils sont en train de se régénérer. Et nous, on regarde comme ça là. En Banga diaspora, tu parles quoi comme ça là? Ta vie est en danger. Si je meurs, ça te regarde. Si je meurs, quel est ton problème? Voilà quelqu'un qui est ministre. Son fils est là préfet. Il n'a pas 40 ans. Toi, depuis les années, tu fais les concours. Tu ne peux pas t'en sortir. Et tu veux qu'on se calme? Il est ministre, il est encore en fonction. Et il est milliardaire. Il est milliardaire. Voilà quelqu'un. Tu crois que celui-là va un jour connaître la vérité? Quelqu'un qui est né, son père était peut-être sous-préfet quelque part, ou bien administrateur civil. Il a gravi les échelons. Il devient ministre. Pendant ce temps, les gens viennent justifier ça. Il n'y a que les cancres, les paresseux, les fils à papa qui peuvent venir justifier ça. On ne dit pas ça. Mais si tu veux montrer que tu es capable, va créer les entreprises, la milliard que vous avez volé là. J'ai fait, c'est un pays où il y avait la dictature à l'époque. Les enfants des anciens ministres, des hauts dignitaires, ils sont les chefs d'entreprise. Et c'est facile pour toi de venir demain présenter ton bilan que voilà l'entreprise que j'ai montée. Voilà, je peux être président. Voilà ce qu'on se passe. Est-ce que les Donald Trump ont été sous-préfet un jour pour être président des États-Unis? Ça veut dire que si nous on laisse, on est mort en guerre, la famille. Si nous on laisse, on est mort en guerre. Bah oui, si on meurt, on est mort en guerre. Voilà. Il faut arrêter ça. Là, si possible, je peux passer même chez toi. Tu m'intègres. Je prends même trois bouteilles. Ouais, passe là où tu connais, là, non? Passe là où tu connais. Mes gars sont là-bas. Mes gars sont en train de vendre le jus de canne là-bas. À tout à l'heure. Ici en live. Quoi qu'on doit continuer comme ça dans ce pays-ci là, quand quelqu'un s'attaque avec Macron, c'est un nom à événement. Il ne nous sert à rien. Il vient voir si la francophonie marche bien. Si on continue à parler nos langues, il faudra qu'on change les noms, même les noms de nos enfants. C'est parce qu'on rappe souvent, c'est ce que parfois il se fait tard. Je vous jure que si j'étais wise depuis là, c'est que mes enfants n'ont même pas de prénom. Au nom de Dieu. Parce que mes enfants n'ont pas de prénom. On doit déjà avoir nos noms. On doit déjà changer les mentalités. Il parle mal français. Et puis quoi, c'est ta langue? C'est ta langue? L'esclave, c'est celui qui fait mieux la chose d'autrui que lui-même. Qui parle la langue de quelqu'un d'autre que lui-même. C'est ça qu'on appelle l'esclavage. C'est ça l'esclave. Oui, un esclave.
Celui qui se suffit là, c'est celui-là qui ignore les autres, qui fait avec ce qu'il peut. Mais oui, quand tu vas voir ton frère parler anglais, il n'a pas été à l'école. Voilà les filles comme les Alia, les filles comme les gars comme les Arkeli, ils n'ont pas été à l'école. Mais les propices chez eux, ils sont les grands artistes. Ils sont. Le jour qu'il commet une erreur, on le frappe, il est en prison. Voilà Arkeli, grand artiste de son état. Il n'a tué personne. Il est en prison. Juste parce que c'est un malade mental, il aimait les petites filles. Mais dans un pays comme le Cameroun, voilà un gars qui a fait l'accident. Il est là, il se pavane bientôt. On ne protège pas nos citoyens. Voilà un monsieur qui va commencer à souffrir un moment dans sa vie. Les troubles psychologiques. Parce qu'il a fait l'accident. Les gens pensent que la stamaya, c'est quoi? C'est l'esprit. Avoir l'inspiration de chanter, tout ça, c'est l'esprit. À un certain moment de la vie, on devient conscient. Et nos frasques nous rattrapent, comme le petit ténor là. Hein, c'est un petit que normalement, on devait juger, finir avec le condamner même. Et voilà, libéré, il se balade partout. Vous croyez que vous aimez les gens? Vous aimez vos frères Camerounais? Vous aimez quel Camerounais? On n'aime pas les Camerounais. C'est un mauvais pays. On ne protège pas les gens. Comme actuellement là, Arkeli est protégé. Il est enfin à l'aise parce qu'il va faire la prison. Et c'est Dieu que j'ai d'homme, que Dieu t'a tout donné. Mais ta vie, ce n'est que les petites filles. Tu es malade mental. La prison soigne les gens. La prison soigne. Comme moi là. Je n'aime plus les dettes parce que j'ai fait la prison à cause des dettes. Oui. L'État ne fait rien. On est sensible. Voilà une petite fille, on l'arrête. Oui, elle a fait ce qui est mauvais. Elle a présenté ses nudes. Oui, mais on l'a porté. Non, c'est pas ça. Quand quelqu'un a peur, elle a fait la prison, il n'a plus peur. Il n'a plus peur. Pour certaines choses. Parce que c'est un malade. Elle a un problème. Il faut travailler son mental, cette jeune fille-là. C'est même une innocente. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? C'est innocent. N'importe quoi. On pense à la prison. Les vrais bandits sont dehors, vous les laissez. Les vrais bandits camerounais, ils sont là. Hein? L'autre est là, il dit qu'il va être libre de remplacer son père. Il a détruit toutes les forêts partout. Vendre le bois partout. Partout. Les chaos. Mais ils sont en liberté. Les attendants, ils sont là. Ils sont en liberté. Après, le jour qu'il veut faire un don, au lieu de construire l'école dans le peuple, il part quelque part là-bas vers le sud, il offre l'église. L'église a sauvé quel pays? Pourquoi le Brésil n'est pas le pays le plus riche du monde, le plus développé du monde? Alors que c'est le pays le plus catholique du monde. C'est-à-dire là où on prie beaucoup. Pourquoi? Hein, pourquoi? Arrêtez-moi ça, dis-donc. N'importe quoi. On parle aux gens, ils ne peuvent pas comprendre. Vous voyez les dirigeants qui désorientent le peuple. Voilà quelqu'un, il laisse l'église. Il laisse l'école qu'il va construire. Il peut offrir l'église. Il va comprendre 200 millions. 200 millions construit une école. 200 millions construit une école. Et ça donne les emplois. L'église donne quoi? On cherche un curé. Et on exploite les gens. Et à l'intérieur, c'est les mauvaises pratiques. Oh. C'est les enfants qu'on va sodomiser. C'est les enfants qu'on va prendre par derrière. C'est les femmes qu'on va lécher. Les trucs qui viennent détruire notre pays. Nana, il y en a foutre avec toutes ces histoires-là. Il est temps que l'Africain se lève. Il vient chez moi, les prêtres viennent faire quoi chez moi? Me donne quoi? Tu apportes quoi dans ma maison? Choquant, dis donc. Qui de là avec ça? Prie pour que le gourdin vienne devant ma cour. Il sera avec toi. Tant que la prière là, je crois en Dieu, pas aux religions. Je crois en Dieu. J'ai la foi en Dieu. Moi, j'ai la foi que le pays va changer. D'abord, ça a changé. On fait les choses en cachette. C'est fini. Ça a changé. Ils sont fatigués. Ils sont droits au mur. Ils ont échoué. Ils savent qu'ils ont échoué. C'est de ça qu'il s'agit. Ils savent qu'ils sont échoués. Parce que quand on te parle chaque jour, on te critique chaque jour, tu arrêtes les gens, tu tortures, tu les envoies en prison. Ça veut dire que tu sais que tu as échoué. Tu sais que tu as échoué. Oui. Tu sais que tu as échoué. Mais démissionnant, alors vous êtes là, vous embrouillez le peuple. Vous êtes embrouillés, vous êtes agacés. Maintenant, il faut avoir porté un individu comme ça. Là. Voilà votre fils qui arrive, un petit-fils. Pendant que vous étiez président, quand M. Biya était président, Macron était encore bébé. Il n'était pas né. Oui, il n'était pas né. Mais oui, il n'était pas né. Oui, mais Macron a quel âge? Il a peut-être un an. Hein? Il a peut-être un an. Quand Biya prend le pouvoir. Le voilà qui vient au Cameroun, il sera reçu tapis rouge. C'est pas la honte. Après, on dit que les gens salient le Cameroun. Qui salit le Cameroun? Qui salit le pays si plus que les dirigeants là? Voilà un enfant qui va venir, on va le déballer au tapis rouge. Après, vous dites que nous sommes les Africains, le droit de naître, le droit de naître. Le droit de naître, tu accueilles un enfant comme ça, là.
à recevoir, monsieur le président. C'est-à-dire que, mais avec les courbatures, il faut qu'on se batte pour soigner les courbatures, ce monsieur Bia. Il faut qu'on va l'injecter maintenant par-ci, par-là, parce qu'il faut qu'il prouve que non, il est capable de. Mais c'est quoi? Mais quand c'est un Camerounais qui demande que monsieur Bia est où, c'est le problème. Voilà, vous allez voir monsieur Bia. Voilà! C'est l'humiliation, on appelle ça de l'humiliation. Quand c'est un étranger qui vient te faire voir ton parent. C'est un étranger qui va venir me faire voir M. Bia dans quelques jours. Hein? Tout le monde enregistre. Tout ce que c'est enregistré. On enregistre tout. S'il va parler demain, on enregistre aujourd'hui. C'est quoi ça? Après, on va dire que nous sommes les Bantous. Respectez les hommes âgés. On ne respecte pas un homme qui est âgé, qui mange seul, son peuple souffre. L'homme âgé qui se respecte, c'est celui-là qui préfère dormir dans le noir. Ses enfants dorment dans la lumière. C'est l'homme âgé. L'homme âgé qui est digne, un patriarche, c'est celui-là qui bagarre pour le bien-être de son peuple. C'est ça un patriarche. Un vrai, un patriarche, c'est un sage. C'est pas un monsieur qui prend ses frères du village, qui prend ses proches, les autres souffrent. Ce n'est pas un patriarche. Il n'a pas d'amour pour ce pays. Voilà. Pendant les années, hôtel intercontinental, avec tout l'argent, on pourrait construire un hôtel quelque part là. Un patriarche qui ne protège pas son peuple. Un patriarche depuis qu'il est là, depuis les années, ce n'est que le peuple qui subit. Hein? Voilà mes beaux frères, mes beaux là-bas, ma belle famille. On vient les faire déguepir du pont du Voury là-bas parce que il faut. Salut. Parce qu'il faut. Il faut qu'un étranger vienne installer sa cimenterie. C'est quel patriarche qui ne supporte pas, qui ne protège pas son peuple. Patriarche de quoi? Un endroit sacré, là où les familles font les traditions depuis les années. Tu viens vendre. Tu ne pourrais pas chercher une autre île pour qu'on ne pas développer là-bas. Quel patriarche? Hein? Les Dikolo. Un patriarche qui fait pleurer son peuple. Vous dites que respect Fouetti. Respect de quoi? Arrêtez-moi ça. Qui humilie son peuple, vous allez voir les ministres là, chacun va se ranger. Tu vois, vous allez voir Jean-Famé Ndongolo, tout ce petit va vouloir tomber. Vous voyez un ministre qui salue un premier ministre d'un pays. Un ministre qui salue, il va te dire qu'il il a l'agrégation. Regardez, où est François Fillon? François Fillon est où? Regardez, notre génération c'est égal à égal. Soit même ministre, soit même Macron, monsieur te salue comme un être. Tu es mortel. Si tu veux montrer que tu es grand, non, ne sois pas immortel. Ne tombe jamais malade. Tu es immortel, tu vas passer comme moi. Si tu ne poses pas les actes qui vont marquer ton temps, ta génération, tu n'es rien. Tu n'es rien. Macron sera une légende là-bas, mais devant moi, il n'est rien. Voilà. Parce que c'est un colon. Il ne vient pas pour libérer le Cameroun. Il vient pour nous empêcher de se développer. Et il faut détester celui-là qui conduit mal ton parent, droit au but. Et il faut aussi détester même le parent là, parce que c'est un mauvais parent. Voilà, Dangote. Si tu étais peut-être Camerounais, tu vas ouvrir un truc, on va refuser. Mais on a vendu à un étranger. Oui, on aime les étrangers, mais il y a quand même la place où un étranger va rester. Alors, on dit que et tout ça, on détourne les gens. Non, Paul Biya, c'est un père qui ne vous aime pas vous-même. Allez, quittez de là avec ça, dis donc. Quittez de là avec ça. Qu'un père fait souffrir ses enfants. Un père fait souffrir ses enfants. Alors, il faut laisser ça, dis-donc. Un père détruit la vie des familles. Les Bibou Nissak sont en prison. Les Bibou Nissak sont en prison. Dit qu'un père. Les Alain Foguet. On détruit la vie des gens comme ça, des jeunes. Bibou Nissak, un jeune vaillant, talentueux. Il a dit, les jeunes font de la politique. Voilà un enfant qui s'engage en politique pour le porter ou le jeter en prison. Vous croyez qu'on doit être content? Non, j'ai beaucoup de souvenirs. Moi, j'ai dit, j'ai eu la chance de vivre ça. Les Oumniobé, les Félix Moumia ont eu la chance de vivre le temps d'Aïdjo. Moi aussi, c'est une chance pour moi. Que je vive ou je meurs, au moins, j'ai apporté ma voix. Le faux n'est pas bien. J'ai vu la souffrance. Je connais la souffrance. Je vois les gens souffrir. Mais comme ça ne suffit pas maintenant sur le carburant, on a fragilisé les écoles publiques. À l'époque, pour avoir la place à l'école publique, à l'époque, mais tout a changé. L'État n'a plus de valeur. Vous attendez à quoi? Un pays comme ça, là, on a fragilisé l'éducation publique. L'école publique n'a plus de valeur. Oui, parce qu'on privatise tout.
Vous allez voir, on fragilise les écoles publiques. L'État ne veille pas. Les inspecteurs départementaux n'existent pas. Pour aller veiller comment ça va à l'école publique, non. L'école publique, c'est le laisser aller. L'école publique qui donnait la bonne éducation, ça n'existe plus. Vous voulez attendre quoi? Aujourd'hui, pour se soigner normalement, il faut aller dans une clinique privée. Et là, on a pourvu les Camerounais. C'est-à-dire que les Camerounais sont en débandade. Mais oui. Et tu pars dans une clinique, ça devient le commerce. On voit la marque de voiture que tu as garée, on te taxe le prix différemment. Tu pars dans un hôpital public, c'est le problème. Ta vie, la vie, les Camerounais n'ont plus de sécurité. Vous dites qu'il va changer quoi? Il va changer quoi? Macron n'apporte rien dans mon pays. Sa venue est nulle et sans effet. Je n'attends rien de ce monsieur-là. J'attends quelque chose des Camerounais. Parce qu'aucun peuple ne viendra développer ton pays. Les Asiatiques se sont développés. Les gens disent qu'on peut pas, on peut changer ce pays. Les Vietnamiens ont fait face aux Américains, à tout le reste du monde entier, les Vietnamiens. Ils ont libéré le peuple. Aujourd'hui, ils sont indépendants. Les Philippines, même chose. Les Indonésiens, 400 ans de colonisation, les Indonésiens. La Hollande, 400 ans de colonisation, ils se sont libérés. Ils se sont libérés. Donc nous aussi, on peut se libérer. Vous voulez quoi? Nous aussi, on peut se libérer. On est capable de se libérer. Laissez ça. On est capable de se libérer. On divise les gens. Tu ne peux pas te lever parce que ce n'est pas ton frère du village. Ah bon, hein? On va tous souffrir. Voilà le Cameroun, non? Ça connaît l'ethnie. Tout le monde est gars là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Mais je suis que le plus grand travail était déjà fait. La diaspora a compris. Parfois dans la vie, les gens qui partaient là, quand ils mangeaient là-bas, ils oubliaient. La diaspora a compris. Et la diaspora n'abandonnait jamais. N'abandonnons jamais la diaspora. Tu peux aller travailler quelque part. Tu envoies ton argent. Tu envoies tout. Ton conteneur, ça arrive. Mais on refuse ta nationalité. C'est un problème. C'est un problème. Dans un pays où vous voyez les gens sont là, eux-mêmes, c'est les étrangers qui gouvernent ce pays. Sur quoi j'interpelle certains gars. Il faut prendre la double nationalité, les gars. Laissez ça. Ils sont à bout. Ça va passer. C'est rien. C'est juste une question de temps. Le Cameroun a changé. Nous, on n'est pas de la génération, on s'en fout. On s'en fout. Ok, mon ami, je ne suis pas. Je ne connais pas tes problèmes, mon frère. Tu as mal géré ta vie. Pourquoi tu vous dis à certains petits frères? Parfois, vous faites les rancunes pour rien. Tu rentres au Cameroun, ton père te dit que mon ami là m'a manqué le respect, ne le salue plus. Tu prends position. Parfois, ton père, c'est un autre irresponsable. Parfois, ta mère, c'est une irresponsable. Parfois, ton succès fait à ce que tes parents commencent à manquer le respect aux gens au quartier. Et quand on les parle fort, hein, on les critique. Toi, tu viens, on te met dans une affaire qui ne te concerne pas. Mon ami, les affaires de tes parents, mets bien tes oreilles, écoute. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui avait raison? Qui avait tort? C'est pas parce que ta tante ne te salue pas aujourd'hui, ou bien ton oncle, ou bien parce que ta tante, ou bien ton oncle a agressé ta mère, qui est la sœur, que toi, tu vas venir prendre sa fête à part avec. Non. Cherche à connaître qui a raison. Oui, cherche à connaître qui a raison. Parce que si tu vas dans cette démarche-là, sache que ce sont tes parents directs. Les paroles ont les effets sur ta vie. C'est quoi, il y a les gens souvent là, ils échouent, ils n'oublient pas. Mon ami, même la malédiction de ton oncle peut te prendre. Il y a le moment que tu as mangé chez vous là comme ça, c'est ton oncle qui avait rationné, tu ne connais pas. Parce qu'il y a les parents, on aide, il ne dit jamais qui a aidé. Il faut faire attention. Parfois nous avons grandi parce que c'est l'oncle qui nous aidait. Parfois c'est la tante qui nous aidait. Il ne faut pas oublier ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, parfois, là, il faut chercher à savoir ce qui s'est passé. Ne viens pas seulement être suiveur. Être suiveur avant de t'engager. Il faut connaître l'histoire. Pourquoi le voisin si qui saluait mon père quand j'étais petit, là, aujourd'hui, il ne se salue plus. Ne sois pas surpris que c'est ton succès qui a amené les problèmes. Pourquoi? Parce que tes parents narguent les gens. Alors qu'eux, ils n'avaient rien. Alors que c'est le voisin là, qui complétait ta scolarité. Ton voisin a même continué pour ton billet d'avion. Un matin, tu veux te débarrasser d'eux comme ça là. Que non, je les salue plus. Ah bon, essaie, tu vas voir la malédiction qui va frapper dans ta vie, Botman. Essaie, vois, tu vas voir. Essaie. Vous êtes malade. Arrête ça. Moi, je me mêle. Quand elle parle en barre, ma mère me dit que arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Il a fait quoi? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que voilà ta meilleure copine? Quand le père m'a voilà, la femme est venue ici à le bois chaque temps. Je me souviens même à l'époque, elle avait même donné une parcelle de terrain. Quelque part. Qu'est-ce qui s'est passé? Il vient d'entrer comme ça là. Il vient par rapport à quoi? Ah, mais mon ami, la vie est individuelle. Quand on grandit là, chacun a sa vie. Chacun bâtit son bonheur.
Voilà, parfois on a la malchance parce qu'on a voulu suivre la vie de quelqu'un d'autre. On va porter la malédiction pour rien. Alors que notre vie était là tracée. Mon ami, ma vie est tracée. Chacun bâtit son bonheur. On accouche les enfants, chacun prend son chemin. Vous allez voir quelqu'un le jour qu'il a ses malheurs, les gens l'assistent. L'autre, il est né d'une même mère, d'un même père. Lui, il a les mêmes malheurs, on ne l'assiste jamais. Parce qu'il prend sa part, il mange seul. Et quand tu manges toi seul, tu t'attends qu'on va t'aider comment? C'est clair. Mais oui, voilà mon voisin a perdu sa fille. On a dit contribution. Je me suis battu. Elle dit que vraiment, ça me dépasse. Dans mon cœur, ça me dépasse. C'est trop beaucoup l'argent qu'on m'a demandé. Je me suis battu. Oui. Allons, Guy. Voilà, Natontine. Tout le monde a mis ça au game. Problème. Elle a mis. C'est clair. Et c'est quoi? Donc, chacun battu son bonheur. Les parents ont fait pour eux. Toi aussi, fais ta part. Voilà pourquoi on ne doit pas laisser la venue de M. Macron comme un événement. C'est un non-lieu. On s'en fout de ça. On s'en fout. Lui, il vient parce qu'il vient regarder les anciens contrats que ses ancêtres ont signés. Monsieur Bia, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Monsieur Bia accepte. Pourquoi que Monsieur Bia va faire quoi? Monsieur Bia ne peut qu'accepter. Qu'après lui, ça soit lui. Mais nous, maintenant, on est capable de dire que monsieur, c'est pas ton pays ici-là. Arrête-moi ça. C'est pas ton pays. C'est ton pays, tu t'appelles Cameroun. Tu t'appelles Cameroun, tu es la crevette. Hein, tu t'appelles Cameroun. On s'en fout de tes contrats, que, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, n'importe quoi. On s'en fout de ça. On dit que après le Cameroun, après le Cameroun, c'est vrai. Si vous commencez même les problèmes, qui va vous laisser entrer à Yaoundé? Ah bon, vous êtes sûr qu'on est. Tant que le show commence, vous êtes sûr qu'on est obligé de faire Yaoundé la capitale. Et tout dit ça. On n'est pas obligé de faire Yaoundé la capitale. Yaoundé n'est pas la première capitale du Cameroun. Mais c'est clair. On a connu les Victoria, on a connu les Chang, on a connu les Douala. Il y a même l'ancien palais ici à Douala. On n'est pas obligé. Les gens, arrêtez-nous ça. Si c'est ce que vous voulez commencer là. Que non, si qui, vous croyez que vous pouvez venir dans la forêt, les peuples. Quel peuple? On parle d'un pays. Ne confondez pas la Guinée équatoriale et le Gabon. Hein. Arrêtez-nous ça. Ne confondez pas la Guinée équatoriale et le Gabon. Voilà, là-bas, là, c'est entre eux là-bas. Ils sont les frères. Ici, là, c'est différent. Le Cameroun est mélangé. Ce qu'on appelle le Cameroun en miniature. Les cultures, vous voyez, les autres, ils sont différents de vous. Voilà, mais il ne faut pas venir embrouiller les gens. Ne venez pas embrouiller les gens. On n'est pas obligé de faire le Yaoundé la capitale du Cameroun. C'est clair. Voilà, le Cameroun n'a pas commencé à Yaoundé. Voilà, Yaoundé n'était pas dans l'histoire. C'est venu après. Tout s'est passé d'abord au commencement vers la côte. Voilà. Donc, on peut faire ça à Yaoundé. Faut arrêter ça. Voilà. Faut arrêter ça. N'importe quoi, les gens vont venir embrouiller les gens chaque jour. Oh. Ouais, pour tous mes sympathisants de Mbanga Diaspora, aujourd'hui c'est le dernier jour. Voilà. Pour tous les sympathisants de Mbanga Diaspora, l'événement c'est demain, chez la Reine Galloise. Mon numéro Orange Money, mon numéro MT Money est là. Vous avez promis. Donc j'ai demandé pour tous mes sympathisants, veuillez m'accompagner à l'événement demain, qui est le 22 juillet. Voilà. Nous accompagnons les enfants autistes. Je vais accompagner la sœur, la Reine Galloise, qui nous vient de la diaspora. Voilà. Elle a son association. Elle accompagne les enfants autistes. Donc je vous demande de participer. Donc le numéro Orange Money est là. Le numéro MTN Money est là. Voilà, on n'est pas obligé de faire le Yaoundé, la capitale du Cameroun. D'abord, il y a même la terre rouge là-bas. Le Cameroun a trop de villes. Voilà, le Cameroun a trop de forêts. On est capable d'aller créer comme on a créé Abuja. Le nouveau Abuja, c'est une forêt qu'on a terrassée. On a conçu Abuja là-bas, la capitale. Tout est dans les normes. Une capitale avec les terres battues partout. Les terres battues. Voilà, c'est quel pays ça? Oh, l'école de police, on chantait que le village. Vous prenez où? C'est votre pays. C'est votre pays. Arrêtez ça, dis donc. N'importe quoi. Donc, je vous demande tous ceux et celles-là qui ont. Donc, il faut participer. Je m'adresse à tous mes sympathisants. Si tu ne peux pas donner, tu te recules. Donc, je m'adresse à tous mes sympathisants. Voilà, veuillez participer. Voilà. Veuillez participer. Sur le numéro Orange Money, voilà, je vais compléter les sacs de riz. Voilà, il y a quelques sacs là-bas. Donc, on a déjà notre soeur Vicky qui a participé. On a Eric, on a Franck, on a Angela Ondombo,
on a Gérard, on a Mac des USA, on a Wilson, on a Serge, on a la Mater du Quad, on a William, on a Alain, on a la sœur Dorine, on a Arnaud, voilà, on a Remial, voilà, on a Eboulet, on a Paul, voilà. Un mouvement comme ça, là. Quoique le pays, il les appartient. Le pays, il appartient à personne. On n'a pas d'accord. Ce qui me plaît, c'est qu'ils connaissent la vérité. Ce qui me plaît, c'est qu'ils connaissent la vérité que la génération, ce n'est pas l'ancienne génération. La génération, ce n'est pas. On n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. Le passé négatif de mes parents, hein, ça ne m'intéresse pas. Si mon père est parti signer ses contrats là-bas et j'ai grandi, c'est ça qui me fait souffrir. Je dois revoir ça. Je m'en fous de ces erreurs du passé là. Mon problème, c'est de remettre tout en ordre. Même s'il faut que je meure. Même au prix de mon sang. C'est clair. Parce que si moi, je ne meurs pas, mes petits-enfants vont venir mourir. Donc, à un moment de la vie, il faut que ça stoppe sur toi. Chacun peut stopper le mal. Si tu continues à souffrir dans ta famille, c'est parce que ton père et ta mère ont refusé de se sacrifier. C'est clair. Donc voilà, tu t'es battu, tu as risqué ta vie, tu es gombin. Aujourd'hui, dans ta famille, on ne dort plus affamé. Ça veut dire que toi, à ton temps, tu as refusé. C'est la même chose comme notre pays. Moi, j'avais refusé que dans ma famille, on ne peut plus dormir affamé. On n'aura plus un problème de 200 000. Il n'y a plus un problème de 200 000. C'est clair, il n'y a plus un problème de 200 000. C'est que s'il n'y a pas un problème de 200 000 dans ma famille, je peux gérer. Vous voyez, non? Donc, chacun de notre génération, là, moi, j'ai dit que je ne suis pas dedans. Les histoires d'Aïe Diomo n'étaient pas là. Les histoires qu'on dit que ton père avait signé 200 ans. Si j'ai moyen de finir à toi, et finir à toi. Allez, t'aimer, il va me l'acheter. C'est clair. C'est clair. Quelqu'un vient devant toi, il te dit que voici le titre foncier de votre maison. Il avait signé le contrat à ton père depuis. Il vient avec, il s'assoit. Et tu le laisses sortir. Ça te regarde, hein. T'as vu, c'est ce que tu aimes, la souffrance. C'est ce que tu as choisi, souffrir. La souffrance, c'est un combat. On se bat pour sortir de la souffrance. Et quand on a le bonheur, on signe sur ça. Un signe. Donc Macron vient signer sur le bonheur. Macron vient veiller. Parce que s'il ne veille pas, les choses risquent de sauter. Les choses risquent de basculer. Il vient voir son élève. J'espère qu'il est encore, lucide, non? Parce que la manière que Maurice Kamto est en train de le piétiner là, hein, Maurice Kamto le tabasse partout, et le Cameroun est dans plusieurs fronts. Il n'y avait pas là, certaines personnes qui disent que pourquoi on n'ouvre pas notre front dans Douala Yaoundé. Non, il ne peut plus avoir de front. Le Cameroun est encerclé de front. Boko Haram là-bas. De l'autre côté, il y a le nord-ouest, le sud-ouest. C'est notre front. Au milieu, il y a déjà la politique, il y a l'enjeu. Chacun panique. Donc, il vient voir son client. Macron vient voir le client de son grand-père. Monsieur Biakou, tu vois là, c'est le client de son grand-père. Donc, en fait, c'est même son arrière-grand-père. Parce que c'est au temps de Jacques Chirac qu'il avait dit que je suis le meilleur élève de la France. Après Jacques Chirac, il y a eu qui? Il y a eu Sarkozy. Après Sarkozy, il y a eu qui? Il y a eu François Hollande. Après François Hollande, il y a eu Macron. Donc, Macron vient voir comme ça là, le client de son arrière-arrière-grand-père, pour voir si le type là, faut pas qu'il fait comme ça là, avec tous les fronts là, il lâche, hein. Donc on vient le revoir. Et il dit, man, ne blague pas. Bon, maintenant, il le propose aussi. Donc on voit là, monsieur Bia, c'est un client. C'est le client de Macron. Voilà, c'est la continuité, c'est le Shiba. Quand on dit aux gens que le Shiba, non, Shiba est partout. Et que non, c'est le Shiba. Et comme ça, c'est un schéma. On en a fait hier, on a un bout de pipe, on dit. Na Shiba. C'est le Shiba. Voilà, Mitterrand. Voilà, c'était Mitterrand. Voilà, c'était Mitterrand. Regardez. Arrière-arrière-arrière-grand-père. Vous voyez? Arrière-arrière-grand-père. Il vient voir son client. Et on le tient. On lui fait des bonnes propositions. Bon, Nassau. Après toi, ce sera toi. Tu sais que tu as tes biens comme ça. Il faut qu'on les protège. Donc, en mettant tel, ce n'est pas bien. Il n'est pas sous contrôle. En mettant Gongo, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, laisse ça que Frambia. Non, laisse, on va le parrainer. Laissez, on va l'organiser. La main, c'est comme ça. On a un client. Donc, monsieur Bia est client. C'est le client de Macron. On vous dit que le Shiba existe partout. Il y a toujours dit aux gens que tant que tu ne mets pas le Shiba dans tout ce que tu fais, tu ne t'en sors pas. Mais oui, le Shiba. Tu peux parler bien, tu mets. Il faut mettre le Shiba. C'est ça qui va te donner à manger. Pourquoi tu vous dis que tout ce qu'il faut là,
Il faut te futer. Quand tu n'es pas stratège, quand tu n'as pas la tête, tu es mort en guerre. C'est facile. Laissez les gros Français qu'on va venir embrouiller là. C'est qu'on nous embrouille chaque temps. Non, c'est un docteur, c'est un professeur, c'est le Shiba. Voilà le schéma de ça, c'est le Shiba. Voilà, il vient voir son client, un vieux client de depuis longtemps. Temps de général de Gaulle. Voilà. Lui-même, il a succédé au client. Il a lui-même, Paul Biya, succédé à un premier client qui était Aïdjo. Aïdjo, c'est le premier client. Maintenant, il a succédé lui-même. On connaît toute son histoire, le schéma. Chez eux, n'oublie pas, il connaît ta mentalité avant de te donner le pouvoir. Comme maintenant, là, on connaît là, celui qu'on va copter. On connaît sa mentalité, sa manière de faire. C'est quelqu'un qui n'a aucune valeur, il n'a aucune compétence. Parce qu'on cherche tous les mouvements pour mettre là-bas. C'est comme ça. On doit le contrôler. Et qu'on doit contrôler chacun à sa manière. Sans chez son point faible. C'est ça. C'est le schéma. Voilà. Donc, comme je disais, accompagne-moi. Il faut m'accompagner. Il faut m'accompagner. Accompagne Banga Diaspora. Accompagne Banga Diaspora. Voilà, accompagne Banga Diaspora. Donc, comme je disais, voilà les sacs de riz. Donc, il faut qu'on complète ça. Vous voyez, hein? Voilà les sacs de riz. Il faut qu'on complète. Il y a le spaghetti. Il y a l'huile. Donc, c'est pour remettre ça à la sœur, la reine galloise demain. Donc, si on peut encore ajouter même 10 sacs de riz là, ça va me faire plaisir. Voilà. Avec l'huile, il faut aussi du sucre. Voilà. Donc, il faut du sucre. Le numéro Orange Money, c'est le 696-94-32-42. Voilà. Mon MTN Money, c'est le 683-40-97-55. Voilà. Mon WhatsApp, c'est le +62 812 125 244 98. Voilà mon numéro WhatsApp. Donc tu m'envoies et puis tu me fais la capture d'écran. Voilà. Un sac de riz, c'est 25 000. Donc tu peux envoyer un sac de riz, tu peux envoyer deux sacs de riz, tu peux envoyer ta participation. Voilà, ça va aider les enfants autistes là, du côté de l'Orbessou, c'est demain. Voilà. Donc, je serai là en personne. Voilà. Achetez aussi les produits. Hein. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, on a les produits. On appelle ça Super Love, Best Seller. Voilà. Dans chaque paquet, il y a 6 sachets. Les 6 sachets, c'est pour 6 rapports. Mais ça peut être fait 1 mois à 2 mois. Parce que quand tu utilises un sachet, tu peux faire encore une semaine. Parce que vraiment, tu vas mettre long sur la femme. Vous savez, les gens, beaucoup, à un certain âge, souffrent de ce qu'on appelle l'éjaculation précoce. Quand tu as plus de l'âge, tu souffres de l'éjaculation précoce. Parce que les problèmes dans la tête, le trop plein, voilà. Quand tu enlèves un sachet comme ça, tu enlèves un sachet, ok, il y a le tissu dedans. Tu déchires, tu enlèves le tissu, tu mets sur le bout de ton zizi. Ça sèche pendant 15 minutes. Tu enlèves, tu nettoies avec l'eau et le savon. Avant de passer à l'acte. C'est bien parce qu'on ne boit pas. Voilà, c'est un antiseptique. Voilà, c'est un antiseptique. C'est très bien. Et tu ne bois pas. Ça n'a pas d'effet secondaire. Voilà. Avec ça, tu peux taper 1h30 sur la femme. Voilà. On a le stock en France. On a le stock en Italie. On a le stock en Belgique. On a le stock aux États-Unis. Voilà. Donc, si tu as besoin, tu m'appelles à mon numéro WhatsApp. Je te passe le contact de mes partenaires là-bas. On a les produits Lily Slim. C'est pour perdre du poids. C'est un coup fin. Ça réduit la panse. Tu prends 3 boîtes. Ça réduit ta panse. Avec le temps, tu ne manges plus beaucoup. Facilement, tu perds 20 kilos en 1 mois, 2 semaines. 1 mois, 2 semaines, tu perds 20 kilos. Et ça se prend en 3 boîtes. On a le stock en France. Donc, tu m'appelles à mon numéro WhatsApp +62 812 125 244 98. Mon numéro est épinglé là à l'écran. Voilà. Mon numéro est épinglé à l'écran. Tu m'appelles sur mon WhatsApp +62 812 125 244 98. Voilà. Donc voilà, tu prends ça, tu vas voir que ça va te faire l'affaire. Mon frère, ma soeur. Voilà. On a l'appareil pour réduire l'électricité à la maison. Voilà, si tu as un problème de consommation, c'est-à-dire si tu payes la lumière 100 000, tu vas dorénavant commencer à payer la lumière 60 000 parce que ça te réduit 40%. Alors, ça te réduit 40%. On appelle ça le digital server.
digital server, c'est un système de refroidisseur. Tu branches seulement et ça refroidit les câbles dans la maison. Et ça fait à ce que ton compteur ne tourne pas assez. Donc voilà. Et quand tu débranches, tant que la lumière rouge là n'est pas encore éteinte, ne touche pas le bout-ci. Donc je vais un peu vous montrer comment ça s'utilise. Voilà, voilà comment c'est placé à la maison. Voilà ça. Voilà, c'est branché. J'ai mis ça là, de ce côté. Parce que c'est une place qu'on ne passe pas souvent. Voilà, vous cherchez un coin, là on ne passe pas. Regardez, je vais débrancher. Je débranche. Voilà, j'ai débranché, vous voyez, c'est toujours allumé. Malgré que j'ai débranché, c'est toujours allumé. Et ne touche pas la fiche là. Ok, ne touche pas la fiche là. Tant que c'est encore allumé. Sinon, ça va te porter, te taper au plafond, tu risques de mourir. Voilà. Vous voyez, ça, c'est toujours allumé. C'est toujours allumé. Voilà. C'est toujours allumé. Voilà, je rebranche. Vous avez vu, non? Voilà. On appelle ça le digital server. Voilà, on appelle ça le digital server. Ça réduit 40% de ta consommation. À l'époque, je payais 200 000. Voilà, à l'époque, je payais 200 000, 100 000, 150 000. Bon, aujourd'hui, je nage souvent dans les 80 000, dans les 90 000. Voilà. Donc, ça me fait du bien. C'est beaucoup d'économies. Donc, voilà, mes chers frères et sœurs. Dans mon numéro WhatsApp, on a aussi le stock en France. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Voilà, 98. Voilà le produit pour la goutte. Tu marches, tu as de la peine à mettre tes pieds au sol. Ton bas de pied, ça chauffe. Hein? Tu crois qu'on t'a lancé un mauvais sort. Voilà, c'est la goutte. Vous savez, parfois, vous venez au Cameroun, tellement vous avez mangé la viande, vous avez tellement le temps de manger, vous consommez assez, beaucoup d'alcool. Et parfois, quand tu rentres là, les bas de pied commencent. Avec l'âge que tu as pris, le support aussi, tu commences à avoir les bas de pied qui chauffent. C'est la goutte, c'est les symptômes de la goutte. En français scientifique, on appelle ça la sidéurique. La sidéurique. Donc, je vous conseille de prendre ce produit-ci là. Voilà. Il faut partager le direct parce que ma page est restreinte. Vous avez constaté que quand je fais mes directs maintenant là, à peine après le direct, j'ai 10 000 vues. Et donc, il faut partager. Il faut partager. Je veux que quand on fait le direct, c'est pour qu'on partage. N'écoute pas, tu gardes ça pour toi seul. Ça va éveiller les autres consciences. L'essentiel n'est pas de changer le nombre de personnes qui sont là. L'essentiel, c'est de changer une personne. C'est l'idéologie, le changement. C'est une manière de faire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est notre génération. Chacun doit marquer son temps. L'homme doit mourir. La mort, c'est une bonne chose. Les gens sont au pouvoir comme si ça couche parce qu'ils ont peur. Parce que nous, les autres ont peur qu'il faut, pour le faire quitter, il faut que je meure. Non. Chacun doit mourir un jour. Et c'est mieux en mourant que tu poses un acte. Un acte, c'est mieux. Tu peux mourir en sauvant ton pays. Tu peux mourir en sauvant ton communauté. Combien de personnes meurent chaque jour en traversant la Méditerranée? Parfois, tu meurs pour toi seul. Donc, tu peux aussi mourir pour ton pays. Tu peux mourir pour ton pays. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà le produit pour la goutte. On a aussi le stock en France. Si tu souffres de goutte, la goutte a beaucoup de symptômes. Les paumes de main qui font mal, ça chauffe. Tu as de la peine à fermer ta main comme ça, là. Les articulations font mal. Je te conseille cela. On appelle ça Assam Urat. C'est en langue indonésienne. Le produit, on appelle la goutte que Assam Urat. Voilà. C'est écrit là, produit pour Assam Urat. Voilà. Donc, je te donne un conseil. Il faut acheter cela. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Mon numéro est sur la page Mbanga Diaspora officielle. Plus 62 812 125 244 98. C'est de ça qu'il s'agit. On a aussi le produit pour la calvitie. Si tu souffres de calvitie, la calvitie qui est en train de s'arracher, vous avez vu, non, à l'époque là, mon dernier matin là, je vous donne, je vous vends ce que moi j'ai utilisé. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu veux même la barbe, voilà, tu prends ça, tu auras la barbe. Ah. C'est parce que je me rase. Vous avez vu, il y a cela une semaine, c'était beaucoup là. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, si tu souffres de chute de cheveux, la barbe, tu achètes le produit pour les chutes de cheveux et barbe, tu vas voir que ça va pousser. Donc mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62
812 125 244 98. Prévenir vaut mieux que guérir. Voilà les produits. Voilà l'appareil pour la température, le thermoflash. Voilà Corona qui est en train de commencer encore. Donc bientôt là, ce sera l'hiver là-bas chez vous, en Europe. Il faudra prendre ta part, tu gardes. Vous vous souvenez? Il y a cela 2 ans, comment c'était grave. Les thermoflash coûtaient cher. Il y a eu le temps de prendre ta part. Tu mets à la maison. Même pour ta maman qui est ici là. Beaucoup là, parfois, on perd nos mamans. Parfois, c'est le Corona. Un ami qui est venu à la maison, on a dit, garde le savon, il part de panier, maman, tout et tout. Il arrive, il contamine la mère, tu ne connais pas. Mais lui, comme il est jeune, ça va vite, ça va bien avec lui. Mais la mère est contaminée. Donc parfois, là, un ami peut vouloir venir là. Il reste à la porte, on lui prend la température pour connaître au moins sa température. Ça n'était pas le Corona. Au moins la température, c'est important. Prévenir vaut mieux que guérir. Voilà l'appareil. Donc, si tu as besoin de mes produits, de mes appareils, tu m'appelles au numéro plus 62 812 125 244 98. Donc, participez. Pour tous ceux qui sont en train de dire Mbanga Diaspora, Mbanga Diaspora, là, il faut participer. C'est l'effort. Il faut m'accompagner chez notre soeur. Je suis un chef. Je ne dois pas aller rendre visite à une soeur. Je n'ai même pas 10 sacs de riz. Voilà, on a déjà 6 là. Il nous faut même 10. Pourquoi pas même 20? Avec de l'huile. Beaucoup de choses. Il faut le sucre. On a 5 d'eau. Maintenant, il faut l'enveloppe à côté. Voilà, il faut l'enveloppe. Pourquoi elle nourrit les enfants seulement comme ça? Il faut les gens à côté. Il faut une équipe. Tout ça, il faut quand même un peu d'argent. C'est la team Mbanga Diaspora. Vous êtes ma team ou pas? Vous êtes ma team à moi. Donc, accompagnez-moi, je vous en prie. Donc, voilà. Donc, comme il a dit là, nous ne sommes pas de la génération de l'époque là. Nous, on doit marquer notre génération. À l'époque, là, la diaspora n'était pas debout. Cette fois-ci, la diaspora est debout. Il y a les Africains qui parlent même, qui sont même plus intelligents que Macron. Voilà. On l'a seulement mis là-bas. Il est représentatif. Si Macron est président à la France, pourquoi pas le Cameroun? On va vous dire que c'est l'Afrique. L'Afrique comment? Si les Africains critiquent Macron dans son pays, pourquoi pas dans ton pays? Un jeune ne peut pas être président. Il faut arrêter ça. Changeons les mentalités. Nous sommes tous les Camerounais. Tout le monde, ça va mal. Tout le monde souffre. Tous les ennemis souffrent. Tous les ennemis souffrent. Mais ils ont tribalisé notre pays. On doit leur dire niet à ça. Un échoué n'a pas de leçon à donner à quelqu'un. Quand tu as échoué, tu n'as pas de leçon à donner. Ils ont échoué. Donc ils partent tranquillement, ils nous laissent. On construit notre pays. On va refaire ce pays-ci-là. C'est le paresseux qui pense qu'il se fait tard. C'est la seule chose que connaît le paresseux qu'on a fait. Le paresseux, quelqu'un qui a échoué. Vraiment, il se fait tard. Si vraiment que je pouvais recommencer, non. Non. Le travailleur sait qu'il peut perdre tout. Il regagne après. Le paresseux sait. On peut tout arranger. On peut tout refaire. On peut toujours recommencer. L'essentiel, c'est avoir compris la leçon. C'est ça l'essentiel. Avoir compris la leçon. C'est de ça qu'il s'agit. Big up à tout le monde. N'hésitez pas. Ceux qui ont promis là. Voilà, vous avez le numéro orange. Money 6 96 94 32 42. Mon MTN Money c'est le 6 83 40 97 55. Mon WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 98. Si tu veux envoyer à MoneyGram ou bien Western Union, mon nom c'est Wamen Kwatu Raoul Benin. Il n'y a pas un problème. Wamen Kwatu Raoul Benin. Si tu veux qu'on te remercie, tu peux donner ton prénom. Voilà, on va te remercier. Donc je dis là comme ça merci à Paul, à Eboulet, voilà, à Vicky, à Eric, à Franck, à Angela Ondombo, à Gérard, à Marc, à Winson, à Serge, la matière du quad, voilà, c'est pour acheter les sacs de riz et de sucre et d'autres effets qui vont avec pour accompagner notre soeur le 22 qui est demain. Donc, il manque J ou moins 1, voilà, tu peux envoyer parce que je m'en vais comme ça au marché. Voilà, on a William, on a Alain, on a Dorine, on a Arnaud, on a Romial, on a Gérard. Donc, une fois de plus, grand merci. Quand tu poses un acte, il faut aussi veiller que tu as donné à la vraie personne pour que la personne apporte à qui de droit. N'envoie pas seulement l'argent comme ça, là, que va faire les dons là-bas. Si la personne ne va pas faire, tu as choisi la mauvaise personne. C'est comme quand tu as ton entreprise. Si tu cherches la bonne personne, l'entreprise va évoluer. Si tu tombes sur la mauvaise personne, sur le mauvais employé, l'entreprise va chuter. C'est la même chose. Tu peux beau faire les dons, mais tu rencontres la mauvaise personne qui ne va pas faire ce que tu veux, ce que tu as souhaité.
Voilà. Parce que quand tu souhaites là, automatiquement, tu seras sauvé. Beaucoup de nous souffrons parce que nous faisons les dons à la mauvaise personne. Nous passons pas à la mauvaise personne. Et un don, ce n'est pas dans ta famille. Ce que tu fais dans ta famille là, ce n'est pas un don. Tu rembourses ce qu'on t'a fait. C'est un devoir, c'est un droit. Ce n'est pas forcé, mais c'est un droit. Parce qu'on t'a porté, on t'a élevé. Aujourd'hui, tu rembourses, c'est normal. Ce n'est pas, c'est un droit, c'est un devoir. Mais ce n'est pas un devoir d'aider quelqu'un, un inconnu. Ce n'est pas un droit, ce n'est pas un devoir. Mais quand tu le fais, tu appelles la bénédiction dans ta vie. Parce que la bénédiction va te localiser quand je vais poser l'acte là. Ne dis pas que le jour que je vais venir, non. Parfois nous souffrons parce que notre vie, parfois notre vie est bloquée parce que nous oublions le côté social. Le côté social est très important. C'est spirituel, c'est même mystique. Beaucoup de nous souffrons parce qu'on ne fait pas le salaka. Il faut beaucoup faire attention. Même si on n'appelle pas ton nom, quand tu sais que tu as fait un don et que dans quelques jours tu vas avoir un banga diaspora en train de remettre là, tu sais que tu as participé, ça va faire quelque chose dans la vie. Voilà l'enfant là qu'on avait aidé là comme ça là. Il y a un qui avait aidé là, qui m'a appelé. Comme Banga, l'autre jour j'ai eu telle promotion, j'ai eu telle chose. Il me dit, je te dis merci encore. Depuis que j'ai envoyé l'argent pour acheter les lunettes à ce petit là, j'ai des choses qui arrivent dans ma vie. J'avais trop de problèmes. Le petit là, maintenant son père adoptif l'a pris à le cacher. Comme on dit que l'enfant ne dort jamais. L'enfant, je ne sais pas comment il a fait pour avoir mon numéro de téléphone. Il m'a appelé l'autre jour qu'il est à Bamenda. Il est à Oum, loin à Oum. Donc actuellement on est en contact, on l'appelle le petit Kellys, petit qu'on a opéré ses yeux là. Donc il faut beaucoup faire attention dans la vie. Dans la vie, quand tu poses les actes dans ta vie, parce que tout n'émane pas du talent. Non, tout n'émane pas du talent. Tout ne vient pas tout parce que tu es intelligent. Parfois il y a des choses dans notre vie parce que nous ne faisons pas, ça bloque notre vie. C'est pourquoi il faut tout mettre le verset social. Il faut poser les actes à autrui. C'est important. Parce que tu gagnes, tu as la promotion, mais après alors tu fais comment? Même les Américains sont les grands donateurs. Même les Américains, ils sont les grands donateurs. Alors qu'ils sont ceux qui causent les guerres partout. Les Français donnent. Le social en France, c'est une forme de salaka. Ils font le mal aux Africains. Même l'Africain qui est sur le territoire français profite du social, de l'aide sociale. Pourquoi qu'ils s'en foutent? Ils pourraient dire que non, on s'en fout des non-français. On mange entre nous. Mais tout le monde profite. Ça protège. Ça couvre le mal que tu fais aux autres. Faites attention dans la vie. Faites attention. Ne nous égarons pas dans ce volet-là. Le volet social. Le volet faire les dons. Par l'Africain, il faut qu'on fasse. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont en train de dire que non, non, non. On peut te tuer pour 1000 francs parce que tu es chiche. Tu peux tout avoir, le talent. Non. Mais du fait que tu es chiche, du fait que de ton subalterne, quand tu pars dans une salle, c'est-à-dire qu'il te réunit juste parce que tu es chiche. Parce que tu es souvent incapable de l'acheter un plat de nourriture. Alors que tu touches 10 fois son salaire. Parfois, il faut être sobre. You have to be softly sometimes in our life. When you are so strong, you can die for nothing. For nothing. Et parfois, dans la vie, c'est les petites choses qui nous tuent. Et c'est les petites choses qui nous sauvent. Faisons beaucoup attention. Tu peux beau garder les millions. Parfois même, c'est comme la goutte. J'ai souffert de la goutte. On devait m'opérer à Singapour. On avait déposé la caution. Vous connaissez à Singapour. La médecine coûte cher. Mais c'est parce que je m'asseyais avec un Indonésien constamment, partager les bières, ouais, tout et tout. Il dit qu'on va même m'opérer demain. Hein. Il dit qu'on va t'opérer pourquoi? Il dit que j'ai la cire, Eric. Il dit que mais la cire, Eric. Il part, il prend le téléphone, il tape. Il voit là Assam Oral, il traduit. Il dit, oh, Mr. Raoul, why you want to? Ah, qu'il n'a pas. Qu'il n'a pas opération. Non, 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 non. Il me dit que. Il m'a amené dans un marché, c'est là qu'il m'a fait acheter ça. Il m'a fait acheter ça. Et c'est ça qui m'a sauvé. Il y a eu comme ça 4 boîtes. J'avais atteint un niveau où je n'arrivais même plus à fermer ma main. Quand je me levais le matin, c'est-à-dire que je ne pouvais pas marcher sur mes pieds. Je négocie le sol. Parce que je lui donne souvent la bière. Les petits gestes dans la vie. La sympathie. Les petites choses nous sauvent. Les petites choses nous tuent. Faites attention. Mes frères et sœurs, mes frères africains. Vous voyez, les Européens font le mal. Les Américains font le mal. Mais ils font les grands dons. Donne en fonction de ce que tu gagnes. Ne donne pas pour te moquer des gens. Donne en fonction de ce que tu gagnes. On voit des gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais ils ne donnent pas. Ils ne donnent pas. Fais attention.
Donner là, ce n'est pas dans les églises. Le Vatican a beaucoup d'argent. Vatican a beaucoup d'argent. Laisse ça. Le prêtre, que tu donnes ou pas, ils vont vivre. Ils ont un salaire, c'est une organisation. Toi, tu n'as rien. Ils ont une organisation, c'est les mafieux, ils font dans tout. On les appelle partout. Les présidents payent là-bas. Les présidents, les chefs d'État, les rois, c'est leurs clients. Et ils ont les gros clients. Toi, tu n'es rien. Voilà, mon frère, ma soeur. Il faut faire les dons. Donc, c'est pourquoi il demande que, accompagnez-moi, je vais aller poser un acte qui va avoir les effets dans ta vie. Ça va te localiser ce que je vais faire là, dans quelques jours. Et c'est demain même. Donc, nous sommes à Jijoumanzan. Donc, il y a encore tant que tu peux envoyer l'argent à Western Union, ou bien à MoneyGram, voilà. Ou bien à World Remit, que je vais récupérer pour que demain je fasse les derniers achats. C'est ça qu'il s'agit. Tu sais, passer une bonne soirée. Mon numéro Orange Money, c'est le 6-96-94-32-42. Mon MTN Money, c'est le 6-83-40-97-55. Mon WhatsApp, c'est le +62 812 125 244 88. Tu me fais la capture d'écran, tu m'envoies dans mon WhatsApp. Ou bien tu m'envoies dans mon inbox, Banga Diaspora officiel. Voilà. Tu me dis, voilà, l'argent que j'ai envoyé. Et puis voilà. Donc, ciao. Love you.